Bonjour à tous. Intelligence artificielle, vidéo 360, foot tech. Voici quelques-unes des tendances technologiques du moment. Et on en parle ce soir dans ce 01 Live exceptionnel, François. Jérôme Colombin, bonsoir et merci d'être avec nous pour un 01 Live hebdo euh, un peu particulier puisque nous ne sommes pas dans notre studio parisien, mais ici à San Francisco. Regardez le décor, le Bay Bridge qui est juste là. Voilà, la Francisco. bête San Francisco dans notre dos, en effet. Avec un temps magnifique aussi. On va parler euh, pendant à peu près 30 minutes eh bien, de toutes ces innovations qui euh, font leur empreinte ici dans la Silicon Valley, Jérôme. Oui, avec plusieurs invités. Nous allons recevoir tout à l'heure ben, des Français. Parce qu'il y a beaucoup de Français ici et nous allons recevoir les Lillois de Giroptique. On en a déjà parlé sur 01 Net avec cette petite caméra 360. Voilà, une application aussi pour euh, discuter, en fait, chatter à plusieurs en vidéo. Ça s'appelle Tribe et on aura euh, le CEO de Tribe tout à l'heure, c'est Cyril Paglino. On va également effleurer euh, des tendances qui sont liées euh, à l'alimentation, les food tech et tout ça. On en parlera tout à l'heure avec Nathalie Doré de l'Atelier US mais avant cela François avant cela eh bien on va s'intéresser euh, on va dire aux tendances quelles sont les tendances ici dans la Silicon Valley et puis surtout est-ce que la Silicon Valley c'est le moteur de l'innovation on va en parler dans un instant avec notre invité alors ce n'est pas la peine de réagir aujourd'hui exceptionnellement sur Twitter Jérôme puisque nous ne sommes pas en direct non. Hein, Ce ce 01 live a été enregistré le il y a quelques heures en tout cas soyez les bienvenus Et notre premier invité, c'est notre hôte, c'est Georges Naon. Vous êtes euh, directeur d'Orange Silicon Valley ici à San Francisco, qu'est-ce que c'est qu'Orange Silicon Valley Oui, bonjour. Orange Silicon Valley, oui, euh, c'est une filiale du groupe Orange qui est présente ici depuis plus de 15 ans et qui s'intéresse en fait à, aux nouvelles tendances technologiques, aux nouvelles tendances euh, innovations business qui peuvent intéresser Orange et les clients d'Orange. Et nous avons une équipe de 52 personnes, à la fois des ingénieurs et des analystes économiques et financiers, qui nous aident à trouver de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles sociétés dans lesquelles on peut aussi investir. Que nous avons investi déjà dans cinq sociétés depuis depuis 3 trois ans dans cette région et, un peu, et même d'ailleurs un peu plus loin aux États-Unis. Alors Georges, vous êtes passionnant, on va s'en rendre compte dans un instant parce que vous êtes un témoin clé de cette innovation ici dans la Silicon Valley. Est-ce que justement la Silicon Valley, c'est toujours le moteur de l'innovation dans le monde c'est incontestable, ça reste quand même, malgré l'apparition de, de foyers d'innovation importants ailleurs dans le monde, notamment en Chine et dans d'autres, même aux États-Unis, du côté de la Côte-Est des États-Unis, mm -hmm. euh, ça reste quand même un, un, un centre très particulier du fait de la concentration de, des universités de, de premier plan, mais également du capital risque, euh, également une, une communauté d'anciens, de nouveaux et des, tout, et des tout nouveaux qui continuent à interagir, et euh, avec, euh, avec une seule idée qui est de continuer à innover. Essentiellement avec le software de plus en plus. Donc c'est moins la Silicon Valley que la Software Valley, ouais. mais quand même on mmh. continue à l'appeler la Silicon Valley, puisqu'il faut quand même du silicone, du silicium pour faire tout ça. Mmh. Et donc c'est une région qui, est, qui reste quand même euh, très en avance euh, sur le reste euh, du monde de l'innovation technologique dans le numérique. Alors à une époque c'était les PC, il y a eu l'époque euh, des smartphones, à un moment on parlait aussi beaucoup euh, du big data, des objets connectés. Quelles sont aujourd'hui les tendances que vous avez identifiées aujourd'hui le marché en fait est à la recherche de ce qu'on appelle la prochaine plateforme comme on a eu effectivement le pc le mobile euh, internet même et donc il y a euh, plusieurs technologies euh, de, de, qui, qui vont aider en fait à déterminer cette, cette prochaine plateforme. la première bien sûr c'est l'intelligence artificielle sous toutes ses formes la grande famille d'intelligence artificielle après ça, il y a le, le monde des sciences des données qui a déjà démarré depuis quelques années avec les données massives, le big data, ce genre de choses. Il y a ensuite tout ce qui tourne autour de blockchain, en fait la technologie de crypto de cryptologie, cryptographie qui est utilisée notamment pour la, la monnaie cryptée Bitcoin mais aussi maintenant pour de nombreuses euh, autres applications dans le monde des transactions sécurisées. Euh, ce que ne peut pas faire aujourd'hui euh, un système classique comme, comme Internet euh, pourrait éventuellement être fait si blockchain peut passer à l'échelle. Les blockchains, c'est ce qui pourrait demain remplacer les banques, les assurances, les comptables Alors, euh, c'est pas, pas facile hein, d'expliquer très simplement c est, c est, c est pas, ce qu'est qu la blockchain. En, en fait, ça, ça permet d'avoir un système de, de transactions sécurisé euh, mais qui n'est pas centralisé. C'est un peu comme si euh, Internet avait été un, un réseau centralisé et dirigé par une seule organisation. Ça n'est pas le cas. Et c'est justement pour ça d'ailleurs qu'Internet a pu se développer si vite, c'est parce qu'il s'appuyait sur une distribution des ressources technologiques, des compétences. C'est la même chose pour blockchain, c'est-à-dire que les transactions certifiées ne sont pas certifiées par une autorité unique, ni une technologie centralisée, mais par une distribution sur les des ordinateurs euh, des uns et des autres et de, et, de, et de gros serveurs mais ça ne sera pas un remplacement de la banque ou de l'assurance puisque les banques et les assurances s'intéressent énormément à ces technologies et expérimentent beaucoup de plus en plus euh, mais ce sera un système un système supplémentaire et c'est qui que, va transformer leur métier probablement qui va, qui va probablement euh, aider à, à fluidifier euh, et à, à rendre leur, 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 la façon dont ils exploitent les, les données mmh. euh, plus intéressantes, plus économiques, euh, ça va prendre du temps. Euh, L'autre aspect, c'est en fait ce qui tourne autour des, des réalités, de toutes les nouvelles réalités, donc euh, virtuelles, euh, augmentées, oui. mixtes, mmh. euh, et, et qui s'appuient sur une plateforme qui, elle, pour le coup, est vraiment très répandue, qui, qui sont, sont le, les, 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 smartphones les smartphones pour une partie, et bien sûr l'apparition la, des nouveaux casques. Donc là, il y a beaucoup d'investissements, beaucoup d'espoir sur le développement de ces technologies. Et enfin, la 5G qui, qui devrait arriver à partir de 2020, mais il y a constamment des annonces, annonces de, de, de déploiement prématuré. Mmh. Par exemple, aujourd'hui, T-Mobile, qui est le, le troisième opérateur américain de, de, de téléphonie mobile, vient d'annoncer qu'ils allaient ouvrir la 5G dans les deux ans. On verra si c'est possible ou pas, mais il y a beaucoup d'espoir sur ce que la, 5, la 5G peut apporter aux innovateurs, aux entrepreneurs, puisque ça ouvre des perspectives nouvelles avec un débit très important quand on est en mobilité. Et puis ça donnera aussi un ballon d'oxygène à tous les objets connectés on l'évoquera tout à l'heure aussi mais l'autre tendance c'est aussi l'intelligence artificielle qui est une vraie lame de fond qu'on voit partout ici en fait Exactement. Alors contrairement à ce que disent euh, certains inquiets dans le monde qui pensent que ça reste un, un produit de laboratoire de recherche, d'où d'ailleurs euh, vient l'intelligence artificielle, il y a encore des travaux, bien sûr, on n'a pas fini d'inventer, d'innover dans, dans ce domaine, mais c'est sorti des laboratoires de recherche, euh, c'est actuellement dans les mains de, de gros acteurs et aussi d'acteurs un peu plus petits, mais les gros de la technologie sont tous dans, dans l'intelligence artificielle, de, de Google à Microsoft en passant par IBM, euh, Facebook. Euh, Amazon, ils ont tous développé avec énormément d'investissements en recherche et en développement des solutions qu'ils ont en fait mises en open source de façon à accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle par les développeurs, les développeurs indépendants dans les start-up et dans les grandes entreprises et même chez les pouvoirs publics, dans les pouvoirs publics, dans les gouvernements. Et donc ça, ça a une vertu formidable comme on l'a vu pour Internet qui s'est appuyé sur l'open source. Ça permet d'accélérer l'adoption, l'expérimentation. Et donc, de plus en plus d'entreprises et de secteurs d'activité s'intéressent, même plus que s'intéressent, adoptent des solutions qui sont construites par ces entreprises pour aborder leur métier actuel de façon différente et surtout faire mmh. de nouvelles choses avec l'intelligence artificielle. Alors il y a une chose qui est amusante, c'est que euh, l'intelligence... A... Oui, c'est tout à fait étonnant et c'est une rencontre euh, inattendue de l'histoire. Les chercheurs qui travaillaient sur les réseaux, les réseaux neuronaux dans les universités un peu partout, notamment aux États-Unis, Canada, Europe euh, et en Chine maintenant, euh, avaient un besoin qui n'était pas disponible à l'époque. Hein. C'est pour ça que l'intelligence artificielle a traîné pendant des années dans cette période d'hibernation, euh, c'est qu'il n'y avait pas de n'y avait pas de calcul parallèle. On n'arrivait pas à faire euh, de façon assez puissante avec un ordinateur euh, le calcul qu'il fallait. Et les chercheurs ont eu cette idée d'utiliser un, un microprocesseur particulier qui est le graphique processeur qui est utilisé dans les consoles de jeu et aussi dans les systèmes de visualisation graphique, euh, notamment qui sont fabriqués par des sociétés comme Nvidia, Nvidia qui est un des leaders ouais. du domaine. Et donc ils se sont dit euh, on va utiliser ça. Et ça marche très bien, ça marche du tonnerre. Et et c'est vraiment cette combinaison de l'invention des réseaux neuronaux. De ces puces graphiques très puissantes et des énormes échantillons de données qu'on trouve aujourd'hui sur Internet, pensons aux photos, aux vidéos, mm -hmm. qui n'existaient pas avant, qui n'étaient pas disponibles, qui a permis cet essor brutal, en fait, de l'intelligence artificielle. Voilà, l'intelligence artificielle concrètement, c'est le fait d'avoir une nouvelle interface vocale, par exemple, hein, de pouvoir poser des questions à son smartphone ou pourquoi pas. C'est tout ce qui euh, fait que l'ordinateur sera voilà. bientôt plus intelligent que toi. Eh ben voilà, c'est ce bon, Difficile encore. à croire, ouais, hein, mais ouais, c'est vrai. Euh, J'espère. Merci, ouais. merci en tout cas de, de me Soutenir. Merci aussi à Georges Naon d'avoir été notre invité. Merci de nous recevoir ici dans vos locaux. Merci, mon plaisir. Voilà, avec le Bébride juste derrière, on a choisi ce petit temps qui est plutôt sympa hein, quand même. Hein. On va poursuivre ce 0 en la Vip 2 et on va parler de vidéo 360 maintenant. Bonjour Pascal Brochier. Bonjour Jérôme, bonjour François. Bonjour Français, président et COO. C'est quoi COO c'est Chief Operating Officer, c'est-à-dire que j'ai la charge des opérations chez Giroptique. Pas, Giroptique, t as t as pas le voilà. même accent que lui hein, quand même. Hein. Non, bah, il a bah, un peu plus d'ancienneté dans la Silicon Valley normal. que moi. Giroptique, start-up lilloise, euh, présente à la fois en France, vous n'avez pas quitté la France, mais vous, êtes, euh, vous avez un pied désormais en Silicon Valley oui. avec ce produit vedette qui est ici. Voilà, et qui a tapé dans l'œil d'une petite boîte, d'une petite startup, hein, Jérôme, qui s'appelle Facebook. C'est incroyable ce qui, ce qui est en train de vous arriver, Pascal. Facebook vous a présenté à tous ses développeurs, à tous ses invités il y a quelques jours à peine, lors de la fameuse conférence F F8. Qu'est-ce qui s'est passé et quel est le, 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 voilà, quels, quels sont les débouchés que vous pouvez avoir avec Facebook Oui, donc euh, Facebook est une plateforme euh, très motrice sur le 360 puisqu'ils ont activé le direct en 360. Euh, et puis les photos et la vidéo. Et donc euh, d'avoir un partenaire qui est un réseau social qui permet de faire du, du 360, de le poster, de le partager, euh, et d'être très moteur là-dessus, pour nous, c'est formidable. Et il y a aussi d'autres plateformes qui le font, comme YouTube, Periscope, euh, de Twitter, etc. Hmm. Alors, oui. Pardon. Non, mais la petite caméra, on l'a déjà présentée sur ZeroNet oui. TV, mais on l'a vu en... au CES de Las Vegas. On l'a vu au CES, voilà. On a même fait une petite vidéo qui est sur YouTube, qui a été tournée avec ce système. -là. En deux mots, voilà, elle se connecte directement à un iPhone, mais également à un Android, je crois. Ouais. Et elle permet de filmer ou de prendre des photos et même de streamer en live sur Internet en 360. C'est très sympa. Alors Absolument. après, pour regarder en 360, soit on scrolle comme ça l'écran, soit ouais. si on a un masque de réalité virtuelle, ouais. on le chausse et on a l'impression de vivre en direct en 360 un événement. C'est ouais. ça. Hein et d'être présent, en fait, ça nous donne un, un sens de présence beaucoup plus important. Et puis, euh, il faut faire attention. Là, on verrait tout le studio, les lumières, etc. <laughs> ouais, C'est ouais. sympa aussi. Ouais. Mais pourquoi Facebook vous a choisi Parce que, alors, il n'y a pas énormément d'acteurs qui font ça, mais il y a pas mal de constructeurs chinois. Il y a Samsung avec sa Gear 360. Pourquoi Facebook a choisi Giroptic à votre avis Oui, enfin, je pense que c'est parce qu'on s'est énormément focalisé sur la facilité d'utilisation. Et qu'on a lancé quelque chose ici qui est d'une simplicité extrême. Et donc les points de friction à l'utilisation du 360, c'est un nouveau format, ce n'est pas toujours facile. Et d'éliminer cette friction pour le lancement, pour, pour le, la mise en route, pour le... Merci. C'est pas grave. C'est mon métier, je remonte toujours <laughs> le micro des invités. Je, je suis comme ça. C'est plus fort que moi. Voilà. On est un peu obsédé <laughs> par le micro. Le micro très important. Oui, voilà. Il y a la vidéo, évidemment Et aussi. la vidéo a... aussi. Mais de... Pour répondre à votre question, c'est vraiment la simplicité d'utilisation ouais. qui a... Euh, qui a plu à Mark Zuckerberg. A, mais a, vous, vous l'avez la rencontré du... Mark Zuckerberg Il s'est investi personnellement dans, dans dans ce choix ou pas Alors, moi je ne l'ai pas, pas rencontré. Euh, on travaille avec les équipes et ouais. euh, je crois que c'est un, un choix de la société plus que d'une personne. Donc c'est vrai que euh, je pense qu'il a été séduit, qu'il a aussi... Euh, F8, c'est un peu euh, une euh, un événement qu'il affectionne particulièrement mmh. mais que toute l'équipe aussi de dirigeants de Facebook c'est euh, un événement super important et donc il y a et entre parenthèse, personnes. petite parenthèse savez-vous ce que signifie F8 pourquoi F8 alors ah, pourquoi est-ce piège je n'ai pas la réponse. Vous ah vous savez. Ben voilà. et ben nous, on l'a appris hier et fuite tout simplement parce qu'il y a huit lettres dans Facebook. Et bien voilà. Ah voilà. voilà. Ils ont un quand même un Et pour ça. tout vous dire, c'est Georges Naron qui était là il y a une seconde, qui, qui nous l'a dit. Qui nous a conf... <laughs> voilà, voilà. Euh, donc ça veut dire qu'on on voit que Facebook veut pousser la réalité virtuelle, hein, euh, oui. donc avec euh, ses, ses caméras, etc. Mais vous, malgré tout, ça ne marche pas que sur Facebook. Hein. Si par exemple je veux streamer en, en direct sur YouTube, YouTube permet aussi ce genre de choses aujourd'hui. Complètement permet sur YouTube et sur Periscope aussi, et puis des, des plateformes spéciales qu'on peut mmh. personnaliser. Est-ce que c'est le média de demain, ça, Pascal Est-ce que demain, je ne sais pas, il y aura un JT comme ça mmh. en 360, est-ce que toutes nos vidéos pourront être comme ça, ou ça sera une partie simplement de, 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 des médias Ça, c'est une super question. Je pense qu'il faut le regarder en disant quels sont, dans les cas d'usage, les moments où on a vraiment envie d'avoir un sens d'immersion et d'avoir la totalité. C'est un petit peu la même différence qu'entre la photo et la vidéo. Dans le journalisme, il y a la photo, et il y a la vidéo et on n'a pas tout en photo et tout en vidéo. Et ça, c'est une autre dimension encore qui permet dans des moments précis ou des événements euh, dont on a envie mmh. d'avoir une, une vue et une immersion plus importante. Et c'est là que ça viendra. De savoir comment et à quelle vitesse ça va se faire, c'est encore un peu tôt, mais on est super excité par euh, ce qu'on voit euh, des gens qui partagent et qui ont envie de faire vivre. Et en fait, c'est pour ça que les, les, les plateformes de, de social media sont, sont super intéressées, c'est que c'est un moyen de connecter. Donc mmh. de pouvoir partager avec, mmh. avec des gens euh, cette immersion, ce sens de plus intense de, du moment, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc la caméra est sortie maintenant, oui. il n'y a pas très longtemps. Combien, combien elle coûte 249 euros. 249, ce n'est pas un peu cher C'est Est-ce que vous pensez que. Est, tout, est, tout est relatif. On pense que déjà, c'est euh, la moitié du prix de, ce que, de, la, de la caméra d'avant qu'on avait lancée. Oui, oui. C'était euh, beaucoup plus grosse, qui était sans fil d'ailleurs. Ouais, hein exactement. Mm -hmm. Et euh, on pense que le, le, la réponse du marché pour le moment est plutôt positive. C'est ce beaucoup plus abordable. Et, surtout, et puis Facebook, vous en a déjà acheté 4000, c'est ça Oui, il y avait 4000. Ils ont distribué donc, aux mal. invités de F8. Hein. Il y avait 4400 personnes qui étaient tous des influenceurs et des, ouais. euh, des développeurs à, à la conférence F8. Maintenant, je sais ce que c'est. <laughs> euh, alors, c'est dingue, parce que d'un coup, vous êtes propulsé comme l'une des stars de la Silicon Valley, non Avec, euh, avec cette, euh, ce, ce, cet accord ouais, Il faut bien garder les pieds sur terre. Mais euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est que... Euh, pour nous, ça nous permet surtout d'accélérer ouais, l'évangélisation mmh. et, et, et la notoriété de, de ce qu'on fait et du travail. Les médias américains s'intéressent à vous depuis, depuis cet événement ou pas Oui, 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 on a eu, enfin, il, y a des bonnes, il y a des bonnes reviews et donc on reste très focalisé. On le voit vraiment mmh. comme un, une étape. À laquelle qu'on vient de franchir, et puis il y en a d'autres encore derrière. Il y a encore beaucoup de choses excitantes, donc c'est ça qui est intéressant. Voilà, à tester Parfait. ce petit joujou là, ce, ce optique qui est disponible. Et que on on l'a testé, c'est très sympa. Ah ouais, c'est très sympa. Ah ouais. D'ailleurs, sur le, le Facebook de Zéro led TV, on a partagé une vidéo qu'on ouais. a faite depuis les hauteurs de Twin Peaks. C'est assez sympa, donc on vous invite à y aller sur Facebook. Merci Pascal Brochier. Merci. Et on enchaîne François tout de suite avec un autre invité qui est une invitée d'ailleurs. Et c'est Nathalie Doré qu'on est très heureux d'accueillir sur le plateau de Zéro en Live Hebdo. Bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour François, bonjour Jérôme. Alors vous êtes la patronne de l'atelier BNP Paribas Amérique du Nord. Hein, donc vous êtes très présent ici depuis de nombreuses années. Hein, Plus de 12 pour, ans. Voilà, pour veiller sur toutes les, les, les technos. Et on est très heureux de vous avoir ici parce qu'on aimerait bien avoir justement votre ressenti concernant l'innovation ici dans la Silicon Valley. Quelles sont vos tendances à vous que vous avez, on va dire, débusquées Alors, il y en a beaucoup. Je vais en choisir une qui a l'intersection, qui est assez intéressante, parce qu'en fait, elle a l'intersection du bien-être, un petit côté santé, du bien manger, donc l'alimentation, et puis aussi une conscience environnementale qui est très présente ici, donc sauver la planète. Le bien manger, c'est hyper important ici, parce qu'on sait qu'il y a du bien manger, mais il y a aussi beaucoup du, de... de du manger de, un peu grand. Voilà, de junk ouais, food, ouais. hein, <laughs> c'est ça. Autant on peut revendiquer San Francisco, euh, capital de la tech, autant on ne va pas revendiquer San Francisco, capitale de la food, de l'alimentation. La ah bah Mais la food tech mmh. se passe ici quand même. Alors, quelles sont les tendances justement C'est quoi de la food Alors, la Foodtech sont toutes les technologies qui vont apporter euh, de la valeur à la chaîne d'alimentation. Donc, ça va de la production à la distribution, donc tout ce qui va arriver jusqu'à jusqu nos assiettes. Bon, fintech, green tech et Foodtech, hein, Jérôme. Ça, attention, ça, la, ça devient compliqué. Il y a hein. la tech partout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, s'attaque à un problème qui est mondial. Alors, vous savez, les startups aiment attaquer des, des pain points, des points douloureux. Alors là, le point douloureux, il est quand même énorme. C'est le fait qu'aujourd'hui, euh, on régénère euh, nos ressources. Source, pas assez rapidement. Donc en fait, quand on consomme pendant un an, on met 18 mois à régénérer ce qu'on a consommé en un an. Donc en fait, le constat c'est que la planète peut pas continuer comme ça, on peut pas continuer à manger comme on mange aujourd'hui. Alors il y a différentes solutions. Il y a celle de produire plus avec moins. Qui est de dire comme ça, on produira suffisamment. Il y a celle de changer les comportements, de dire bon, bah, on arrête de manger de la viande. Et puis il y a cette tendance. Ça, c'est qui... un peu violent. quand C'est un peu violent. violent, un peu violent. Donc Surtout, laissez-nous réfléchir, Nathalie. On hein. sait qu'on ne touchera jamais tout le monde avec une approche aussi radicale. On va avoir du mal à vous suivre, nous, ouais, hein, sur ce terrain. C'est vrai. Mais, mais j'ai des solutions. Et justement, la nouvelle solution, c'est de dire on va avoir une approche sur l'alimentation qui est différente, qui va utiliser certaines ressources, mais avec une dose d'innovation, on va arriver à produire des choses qui ressentent très sensiblement à ce que vous avez l'habitude de manger. Alors c'est ce qu'a fait Impossible Food ici. Ils ont fait un steak haché, euh, donc qui se met dans les, dans les burgers, qui ressemble. Si on ne vous le dit pas, vous pensez manger de la viande et en fait vous, vous mangez des protéines végétales. Et en fait l'innovation, elle est il faut essaye ça. sur le remplacement. Alors, il y a des restaurants français ouais. qui, qui les distribuent. Alors l'innovation, elle est bien sûr sur le fait d'avoir substitué ces protéines et être allé mmh. sur des protéines végétales, mais surtout il y a toute une euh, une partie en laboratoire qui est de dire on va utiliser euh, l'approche cellulaire pour reproduire le goût de la viande, la texture de la viande. Et vous l'avez goûté, Nathalie Oui, ça et, et c'est vrai, si on ne me l'avait pas dit, j'aurais pu croire que je mangeais de C'est-à-dire qu'on peut confondre oui. ah bon avec de la vraie viande. Oui. Et c'est ce que dit le CEO d'Impossible Food. Il dit si on voulait réussir, il fallait qu'on arrive à ça, puisqu'on ne changera pas. Les Américains voudront toujours manger du bœuf. Donc, euh, je ne crois pas aux steaks de soja. Voilà, on pas. est loin de la caricature de ces steaks de soja qui sont Exactement. immangeables. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que du ah coup, ouais. en fait, donc il y a tout un marché là. Alors, ils appellent ça aux états unis sustainable protein ». alors il n'y a pas vraiment de traduction en france c'est les protéines de substitution plutôt mon père le côté durable alors qu'il est important qui est de dire on va développer ces protéines pour euh, trouver des solutions qui prennent moins d'eau, moins de terre, euh, puisqu'en fait j'utilise moins de, moins de sol et euh, je ne sacrifie pas le goût. On est quand, même, Mais on est quand même on est quand même assez loin de la tech telle qu'on l'entend euh, pure et dure. Il oui, n'y a pas du beaucoup de dans ce à du... Alors il <laughs> y a beaucoup d'innovation et de technologie. D'ailleurs si on regarde Impossible Food, Algama, en fait, quand ils présentent les équipes, ils présentent leurs scientifiques, leurs ingénieurs. C'est marrant, on est loin de la présentation d'un agriculteur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va regarder ces solutions en se disant ben voilà, ce sont des solutions alternatives qui peuvent être euh, peut-être. En addition, on ne va pas manger des burgers Impossible Food à tous les repas, mais voilà, qui peuvent être euh, des, des complémentaires qui vont permettre de résoudre cette équation euh, de consommation de la planète qui est, qui est compliquée. Donc beaucoup de choses autour des, des protéines alternatives. Impossible Food avec le burger est un exemple. Kate Hill. J'en parlais rapidement, eux sont attaqués au fromage, donc c'est du fromage sans lait de vache, euh, c'est <laughs> que du lait d'amande, et en fait vous ne le sentez pas, c'est pareil. Ils ah ont oui. réussi à mettre des de la texture, ça. le produit, euh, soit euh, au final dans Là aussi tête. vous avez goûté et Oui, oui ouais, on a goûté. On a vraiment l'impression de manger un fromage oui. euh, ouais, tout à fait. Mais si ça se généralise, ça peut mettre des, des filières économiques entières par terre, euh, non, parce notamment en, fait, en France. Hein. Non, puisqu'en fait les, les acteurs de l'alimentation regardent euh, aussi euh, ces, ce sujet-là et essayent d'amener de l'innovation chez eux, donc je pense que il y aura plus une mutation, certaines transformations, qu'un remplacement. Et, euh, et euh, un dernier. Alors dans, dans cet exemple de protéines végétales, c'est alors là je prends ma casquette ambassadrice French Tech, c'est un, un français, euh, Algama, euh, C'est une start-up qui est à New York, qui là utilise les protéines végétales. Alors ils utilisent de, de la micro-algue. Et ils vont utiliser les bienfaits de la spiruline pour ajouter des antioxydants. Donc là, on rejoint le côté aussi bien-être. Avec ces solutions qui ont le même goût, on va avoir des solutions qui peuvent être enrichies avec certains aliments et qui peuvent être moins gras, allégées. Voilà, c'est plus elle-ci, là. C'est-à-dire voilà. que là, on ne pas de reproduire le goût de quelque chose apporter des super aliments. Exactement. En fait, ça, hein Et on n'est plus dans le complément alimentaire. Là aussi, on est plutôt dans l'expérience culinaire. Donc, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant avec, avec ces acteurs, c'est qu'ils ne touchent mmh. pas que les végétariens, les végétaliens, les gluten free, euh, ceux qui ne veulent pas tuer d'animaux. Ils touchent, ils veulent toucher tout le monde en apportant une réponse qui peut sauver une partie de l'équation pour, pour notre planète. Alors ça, c'est mature, c'est déjà dans nos mmh. assiettes. On en a euh, presque tous mangé euh, ici. Après, une autre alternative, hein, puisque là, on était plutôt sur le fait du quand même du végétal et une dose d'innovation mmh. en laboratoire. L'autre alternative elle est certes plus radicale puisque là on fait tout en laboratoire, donc c'est l'agriculture cellulaire. Mais là aussi, il y a pas mal d'investissements qui sont faits dans que là, la on a, Silicon Valley. On, en gros, on peut imprimer de la viande. On avait <laughs> vu ça, euh, il de... oui, donc, ça il y, oui. qu il y a quelques temps de. je crois qu'il y a un grand de la Silicon Valley qui investit beaucoup d'argent là-dedans. Je me dans demande d'ailleurs si de c'est pas et de pizza Voilà, et le... Oui, alors là, ça va tous faire un laboratoire. C'est du fantasme ou euh... Alors, c'est pas du fantasme parce que les startups. Travaillent dessus, ont reçu des investissements mmh. et commence à avoir des produits. Là où ce n'est pas encore dans nos assiettes, c'est principalement pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un cadre légal qui n'est pas prêt. Et la deuxième, je pense il y aura besoin de transparence sur quest ce qu'ils font exactement dans le laboratoire, oui. qu'est-ce qu'ils utilisent, parce qu'il voilà, y a beaucoup d'approches cellulaires. Il y aura besoin de rassurer le consommateur. Donc là, je pense qu'on est plus dans la prospective. Plus intérêt mmh. à être bien marketé parce que comme ça, ça ne donne pas trop envie de, de mettre ça dans son assiette, hein, c'est clair. Hein il faut euh... dire que François n'est pas très aventureux en matière d'alimentation. <laughs> non, non hein. mais tu vois, je veux le dire carrément. Tu sais quoi avant de partir, hein? il faudrait quand même tester ce steak. Non. Absolument. Et sur l'agriculture cellulaire, un exemple de start-up qui est dans la Valley, c'est Clara Foods. Donc eux, ils sont attaqués aux, aux œufs. Donc en fait, ils font des œufs sans poule. Alors, euh, fait... écoutez, <laughs> non, je sais pas. Là, on touche le fond là. Les œufs sans poule. Oui, les œufs sans poule. Oui, donc ah. en fait, euh, ils font en laboratoire des blancs d'œufs. Donc ils sont spécialisés sur, sur les blancs d'œufs et ils vont travailler sur les attributs des blancs d'œufs selon la destination. Si c'est pour faire un gâteau, ils vont travailler l'aspect légèreté ouais. du blanc. Si c'est pour faire de la meringue, c'est un autre aspect qu'ils vont travailler. Donc voilà, il y a une approche Mais on n'a pas de jaune encore. Non. Ouais. Enfin, je crois que les œufs sans œufs ça existe déjà, j'en ai mangé à l'hôtel ce matin. Et c'est pas terrible, terrible, <laughs> terrible. Hein. Et oui, on revient à la junk food de tout à l'heure. Et ouais. eux, leurs euh, leur promesses qu'ils font sur, sur leur site, c'est de dire qu'ils vont attaquer des attributs qui sont intéressants pour euh, ce que vous allez faire du produit. Il y a moins de risques sanitaires, parce qu'en fait, il n'y a plus de risques de salmonelle, par exemple. Euh, donc voilà, ils, ils approchent certaines promesses, mais on n'en est pas encore là, c'est plus prospectif. Formidable. Et Bienvenue ben voilà. sur la planète Mars. Vous saviez-vous qu'il y avait que peut-être demain on aura des fausses tech des faux œufs et je ne sais pas quoi d'autre. Mais <laughs> ben voilà, ça avance. Ça fait partie aussi de l'innovation ici dans Absolument. la Silicon Valley. Merci, Merci beaucoup, Nathalie, Merci Nathalie Doré. On termine ce 01 Live avec euh, un Français, un invité qu'on est très heureux de recevoir, Cyril Paglino. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Cyril. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors, Cyril est un sportif. Ouais. Oui. Cyril a plein de casquettes. Il a fait un peu de télé à l'époque de la télé-réalité Secret Story saison 2, je crois. Waouh, c'était il y, y a 10 ans exactement. C'était il y a ça, 10 ouais. ans, voilà. Mais c'est aussi un sérieux entrepreneur et le patron, le fondateur de Tribe qu'on va découvrir, qui est installé ici euh, aux US. Tribe qui est une appli qu'on peut télécharger euh, oui. sur iOS, sur Android, exactement. et qui révolutionne en fait le, le, les discussions en vidéo qu'on peut avoir tous ensemble. En exactement. Fait. On essaie de rénover un petit peu ce que fait Skype depuis maintenant 15 ans euh, en l'apportant sur un, un espace multiplateforme, donc iOS, Android et puis desktop maintenant sur Browser. Et le desktop euh, ça vient d'arriver hein, sur Browser. Aujourd'hui, voilà, aujourd cool. euh, publiquement aujourd'hui. Et, et effectivement, voilà, c'est jusqu'en groupe de 8 personnes, en vidéo, en live, dans le monde entier. C'est gratuit, bien évidemment. Euh, et ça marche plutôt bien. Voilà. Alors, vous êtes euh, installé en France depuis euh, peu de temps finalement, avec une équipe assez internationale. Euh, pardon à San Francisco ouais <laughs> Et alors c'est le cliché de la start-up hein. C'est vraiment ouais. la bande de jeunes qui mélange tout, le ouais. travail, la vie personnelle etc C'est exactement ça, on est, on est arrivé il y a 18 mois à 4, on est une quinzaine de maintenant, une dizaine de Français puis après américains, portugais, italiens, un petit mélange et on a une grande maison sur les hauteurs vers Noé Vallée, Castro, donc pas loin d'ici. Et on y vit, on est quatre à y vivre et on est une quinzaine à y travailler à la journée il y, y a assez d'espace et puis on s'entend tous très bien et on a une grande bande de potes donc c'est effectivement très cliché mais ça fonctionne pour super baraque hein. en plus eh on peut oui. dire voilà le barbecue sur la terrasse enfin bon <laughs> tous les les bougies qu'on aime bien la vue magnifique euh, explique nous un peu ce, ce qu'est Trub et comment ça fonctionne pour que tous ceux qui ont peut-être envie qui nous regardent qui ont envie bien de sûr. télécharger la pile d'autant que c'est gratuit bien hein, autant expliquer ouais. vraiment comment ça marche bien sûr alors c'est un appel de vidéo call principalement donc on a ses amis sur l'écran principal qui sont des petits carrés colorés et des comptables sur un ami ou un groupe d'amis créé au, au préalable ça directement donc si je tape sur mon groupe d'amis ou ma groupe, mon groupe familial par exemple mm -hmm. ça sonne sur tous les téléphones de ma famille ou qui sont dans le monde et tout le <laughs> monde décroche et on est à 8 <laughs> sur un écran. Il y en a qui sont en France, d'autres dans le sud de la France, d'autres euh, au Portugal, etc. Et puis tout le monde décroche et on se parle. Voilà, tout simplement. C'est un, un secteur qui est déjà bien occupé, hein. il y a ouais. quelques ténors. Comment est-ce que vous allez vous différencier bah, Skype est le gros leader. 400 millions mmh. de, actifs, de monthly actifs depuis maintenant 10 ans, racheté 9 milliards par Microsoft il y a 6 ans. Le gros gros leader qui n'a pas beaucoup évolué depuis son acquisition par Microsoft, qui est un peu vieillot maintenant en termes de branding, d'image, de marque, même de produits finalement. Non, euh, en qui, revanche, qui tout, le le Ça, en France. France. tout le monde connaît Skype. Ça En revanche, tout ouais. le monde connaît Skype, bien sûr. Euh, et, et aussi en termes de produits, l'évolution sur, sur la, la partie groupe et le, le, le live groupé qui il y a 10 ans n'était pas tellement possible avec les réseaux qu'on avait. Euh, la 3G à l'époque, le Wi-Fi pas très bon. Aujourd'hui les devices qu'on a, les téléphones Android, iOS qu'on a, euh, ils ont des, des CPU, donc des processeurs super puissants. On peut streamer de la vidéo, on peut l'encoder jusqu'à 5, 6, 7 flux. Et donc ça rend. Maintenant l'usage possible, et maintenant que l'usage est là, euh, les gens se, 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 se rue dessus. Donc il y, y a une demande de, de groupe ou de FaceTime ou Skype de groupe qui est très présente chez les jeunes depuis maintenant un an. Donc on mais, arrive euh, à cette demande. Mais Hangout et euh, Skype font des conversations à plusieurs ouais. Ça existe déjà. Skype le fait. Comment vous démarquez sur, justement ouais. de ces gros ténors Alors Skype le fait pas sur mobile, et puis franchement pas très bien en termes de qualité sur sur, sur, sur euh, computer. Ça, enfin, ça sur va faire FaceTime. plaisir aux ingénieurs de Skype hein, qui nous écoutent. Ouais, non, mais c'est vrai que. Alors je pense qu'ils sont malheureusement ah, Ils font d'autres choses, ils font ils de la Traduction maintenant. Enfin, oui, oui. chose. Bien sûr, bien sûr. Mais sur la qualité live en vidéo à 4 ou 5 sur un ordinateur avec un bon wifi, c'est vraiment pas terrible sur Skype. D'accord. Euh, c'est pas compliqué. Alors Il que vous, la... vous optimisez justement ça, ouais, ces flux Exactement. On optimise bien la, la qualité, bien évidemment. Le, le, le rapport qualité-prix aussi, parce que ça nous coûte de l'argent de le faire. Donc on mmh. essaie de le faire au, au moins cher au minimum pour nous, parce qu'on paye nos serveurs et c'est gratuit à 100% pour, pour les consommateurs. Et, euh, et après, plein d'options euh, super simples. En, en un bouton, je peux drag and drop un ami ou, ou un collaborateur dans la conversation. Donc ça, c'est facile d'ajouter, d'enlever des gens. C'est très social en fait. Mmh. Euh, beaucoup plus qu'un call traditionnel mmh. où on peut là du coup plus se balader. voir qui est online. ah bah mon copain Thomas est online. boum je l'invite. hop il rejoint etc. avec beaucoup d'efforts faits sur l'interface. exactement. on se concentre vraiment là-dessus. nous on pense depuis quelques années qu'il y a vraiment des boîtes qui ont émergé sur l'interface. Spotify dans la musique, Tinder dans le dating. c'est des boîtes qui n'ont pas revisité un marché mais qui ont juste revu une x une expérience. Euh, Tinder a hyper inventé, simple en plus. hyper simple bien sûr. Tinder c'est ça. Le, voilà, voilà le swap est mythique maintenant etc. Mmh. et donc si on arrive à faire quelque chose de, de, de bien sur l'expérience utilisateur en étant gratifié comme tous les autres, on va être ceux qui vont être le plus utilisés ou privilégiés parce que c'est plus fun à utiliser et plus cool. Alors je prends un autre concurrent, Apple, FaceTime. Ouais. Alors FaceTime pour l'instant ce n'est que du one-to-one. -one, hein, mais on mmh. peut imaginer que très vite FaceTime peut, va... Ouais. va, va s'ouvrir hein, ouais. vers des, des discussions on va dire à plusieurs ça va être quand même un sacré concurrent non ça va être un quand Apple va, va appuyer sur le bouton ouais. ça va mmh. faire mal ça va faire très mal FaceTime a fait beaucoup de mal à Skype en tous les cas FaceTime est le gros leader ici aux US tous les, les, les 12-30 ans ils sont sur FaceTime ouais, enfin c'est utilise... limité à l'iPhone mais c'est limité à 19% du marché mondial et qui oui. est le marché mmh. iOS donc c'est déjà un premier point et, euh, et le second c'est que pour l'instant on sait qu'il n'y a pas de nouvelle euh, keynote avant le mois de septembre donc on verra déjà ce qui se passe au mois de septembre enfin, il y a la WWDC là ouais, qui, qui va arriver qui va, en juin il y a conférence des développeurs peut-être qui vont Ouais, quelque chose. Généralement c'est plus consumer que développeur. J'ai l'impression que vu que c'est une plateforme fermée, sur ce mmh. coup là ils n'ont pas besoin de, de, de gens à l'externe et ils le font assez rarement. J'ai l'impression que ça va plutôt être en septembre s'il y a une annonce. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi faire monter tout le marché. Donc les autres qui n'ont pas ce type de... C'est comme la théorie du briquet. quoi. Si tout le monde a un briquet et que ça marche et que j'en ai pas, moi j'en veux aussi. Je vais acheter <laughs> plus cher, du coup. Ouais. C'est comme ça qu'on fonctionne ici dans la Silicon Valley, c'est-à-dire c'est vite, vite, faut se dépêcher de fabriquer quelque chose ouais. en... avant d'éventuellement se faire doubler. Tout va super vite. Tout va très très vite, ça c'est extrêmement vrai. Euh et je le vois au quotidien j'ai des, des copains qui ont des boîtes de 5 10 15 20 personnes et puis d'autres qui ont des plus grosses boîtes mais les petites boîtes comme ça elles se cherchent aussi et elles peuvent comme ça anguiller sur un modèle et trouver le bon au bout de deux ou trois petits pivots ricochet nous ça fait d'ailleurs deux trois fois qu'on change un peu ce qu'on fait ouais. Alors, on a fait de la vidéo depuis le début ça fait 18 mois mais ça ça a quelques semaines euh, avant on faisait de la synchrone donc de la messagerie en vidéo et maintenant on fait du live donc de la communication vraiment en call en fait mais euh, voilà on, on se cherche aussi par rapport aux besoins du marché aux compétences techniques qu'on a et aussi aux carences des autres gros du secteur qui vont du coup avoir besoin un jour de services comme nous. Alors, le, le truc, c'est que vous allez tellement vite que vous ne réfléchissez même pas à votre modèle économique. L'idée, c'est de faire de l'audience, de grossir, de ouais. grossir, d'avoir de, de plus en plus de gens qui utilisent votre, votre système. Ouais. Et après, on verra comment le monétiser, c'est ça Exactement. Il y a deux courses. La première, c'est à l'audience. La, et la deuxième, c'est à la technologie, la valeur de la techno. Et nous, on est 15 personnes, mais on est très ingénieurs. Donc, on est vraiment une boîte product-focus, product-centered. On travaille vraiment, vraiment ça à fond. Et, et on sait que même si on échoue sur le consumer, par exemple, parce que FaceTime va arriver et que Skype réévolue, on aura dans tous les cas une pépite techno qui aura de la valeur, dans tous les cas. Bien moindre que ce qu'on aurait pu faire en, sur le consumer, mais qui aura quand même une, une, une valeur intrinsèque. Voilà, Tribe à télécharger dès à présent et qui ne cesse de s'améliorer. Merci beaucoup Cyril Paglino. Merci, Merci Cyril. Au revoir. Et bien voilà, Jérôme, ce 01 Live hebdo spécial San Francisco se termine. On a été ravis de, de partager toutes ces tendances qu'on a pu découvrir ici hein, durant ces derniers jours. On se retrouve bien entendu jeudi prochain et dans oui. notre studio habituel à Paris. Oui. D'ici là, portez-vous bien et puis vous pouvez revoir évidemment toutes nos vidéos au jour le jour sur 01 Net TV. Et, et, et c'est promis, hein, on va faire manger à Jérôme un, un faux cacher haché. Ouais. Ça, ça, ça va être compliqué, mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Et merci à Jean-David Duarte qui a assuré, comme un grand et comme un Le grand professionnel qu'il est, ce live depuis <laughs> San Francisco. A très vite et merci de nous suivre.